Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, aujourd'hui, je vous avais fait un petit sondage sur YouTube. Je vous avais demandé si vous aimez bien les vidéos herping. Vous m'avez dit oui, vous avez envie de voir ça sur la chaîne, donc on va essayer. Donc là, on n'est pas sur de l'herping, on va être sur l'urbex. Donc on va aller visiter un bâtiment abandonné avec deux potes. Donc vous allez peut-être les connaître. Donc là, je suis chez moi, je pars dans la voiture, direction Toulouse, ça se passe à Toulouse, mais après je vous donnerai pas l'adresse, c'est normal, hein. Donc je vais aller rejoindre les copains et ben, je vous dis à tout à l'heure. Oh, 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 bon voilà, je suis arrivé, je vous présente les copains. Vas-y. Bon là vous allez peut-être pas le voir avec la lumière. C'est Tonton Snake de la chaîne Snake Reptile et aussi Grand Tom, coucou. C'est bien, il y a la lumière derrière. Je suis en contre-jour. Non, ça va, c'était très bien en fait. Voilà, de la chaîne en fait, Grand Tom. Salut les abonnés. Et on va aller dans ce bâtiment au fond là, mais on le voit pas trop encore. Qui me tient la GoPro? Tu veux escalader là? Là, celui-là en fait. Celui-là, ça va être plus facile, je pense. Tu veux que je passe en premier? Ouais, à passer par là, faites attention parce qu'après il y a une putain de fossé. En fait, c'est l'endroit pour faire des dérapages ici. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas cassé la voiture. Tu je tombe, t'inquiète pas, je m'envole. Toi aussi, t'es immortel. Et je suis un frôle. Tu voles. Il y en a qui le font en plus en urbex, ils ont des gants. On a vu, putain, vidéo. Pourtant j'ai des grandes jambes. Tiens. Quelqu'un me filme? Allez. C'est allumé? Éclair parce que. Ah oui, c'est une lumière aussi. Ouais, parce que sinon la GoPro vient là. Oh, ça pue. Ah ouais! Comment je descends? Non, il faut passer là. Ah! Allez, c'est bon, c'est parti. Nickel. Attention, ouais, il faut faire attention aux chevilles. Allez. C'est parti. Je pense que ça c'est pour les gitans en fait. C'est plus galère, ça va être de pouvoir passer là. Faites très attention, éviter de se blesser. Ah ouais, il y a une barre en fer. Hein. Ouais, faut sauter par-dessus. Attention Thomas. Ah ouais quand même. Des animaux ici. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des rats. Ok. Bof. Attention, ça glisse. Bah de l'extérieur, t'as l'impression que là-bas c'est la partie bureau, tu vois. Il y a des escaliers. Il y a une lumière allumée, t'as vu? Non, c'est. Tu as cru? Putain, j'ai cru que c'était un peu. Ils sont puissants de vos lumières à vous. Moi, il y a des jolis tags. Hein. Voilà, c'est une petite vidéo urbex. Bon, il n'y a pas toujours des animaux dans ce genre de bâtiment. C'est abandonné, c'est un grand entrepôt avec des tags. Ça permet de voir d'autres choses. Et on ne sait jamais, on peut peut-être trouver quelque chose. Ça fout les boules parce qu'il y a des putains de trous. Regarde là-bas, c'est effondré. Ça s'est effondré, tu crois? T'as peur de marcher? Ouais, c'est un peu quoi. Attention,
pas peur? Bah je vais marcher au bord du mur. Non, il y a un escalier là, c'est pas un trou. Ah, mais toi, t'auras assez de frapper. Ah, t'es plus rassuré là? Les escaliers. C'est fou de laisser abandonner des bâtiments comme ça. Tu vois, je regarde en hauteur parce que des fois, tu peux avoir des nids de frelons dans ce genre de bâtiment comme ça. On est à côté de la rocade. Alors là où ça donne, un étage de plus. Je pense qu'on va remonter sur... Pas mal de tags. Voilà, on est carrément presque tout là. Ah, ici c'est avant. Pas du tout de garde-corps et je vous dis la chute, je vais pas trop m'approcher, mais on est bien haut, on est carrément sous le toit en fait du hangar. Regardez-moi ça, le toit complètement détruit. Donc vous voyez les dédés. Ce genre de bâtiment comme ça abandonné, c'est des endroits où peut se nicher un nid de frelons asiatiques, ou voire même européen. Mais là, on est vraiment pas loin de la grande ville, donc ce serait plus des frelons asiatiques. Petite araignée. Bon, j'espère que vous allez voir la petite lumière. Bon, on est dans les anciens chiottes. Il tag, tout tagué aussi, il n'oublie pas, il tag. Et je vais voir tous les dégâts quand même. Là je pense qu'ils ont fait un trou. Peut-être c'est Hulk qui est passé par là. Par contre du coup je suis en train de réfléchir, mais c'était un entrepôt de quoi? Parce que c'est un... J'ai entendu dire que c'était de moquette. Une société de moquette? Ouais. Ah ouais. Genre mondial moquette, un truc comme ça. Merci. Là on a une vue sur le bâtiment. On était sous le toit, on a été regardé sur le toit, et là on est derrière. Et là on repasse sur le côté du bâtiment. On voit ce que font là-bas. Regardez-moi ce sac, comment il est magnifique. Regardez-moi ce sac. Je suis aidé. Je regarde ton sac. Je dis aux abonnés qu'il est magnifique. Oui, c'est un sac, je sais pas si on va le voir. Bon les Dédé, on a changé d'endroit. On est dans un ancien restaurant universitaire, donc on va aller voir comment est le bâtiment, si on peut rentrer ou pas. On vous tient au courant. Et on est toujours avec les copains. On est dans le noir, on n'allume pas encore la lumière, de manière de ne pas se faire voir. Ouais. Bon voilà les Dédés, on est sur un autre endroit. On a peut-être aussi possibilité de rencontrer des gens. Et oui, on parle. Je discute avec mes abonnés, Fred. Ah putain, j'ai pris de l'eau. T'as pris de l'eau? Ouais, ça coule de l'eau. Ah, t'inquiète, c'est pas du caca. Il y a des trous, regarde, il y a des passages. Par contre, faites attention parce qu'il peut avoir du... Il peut
peut avoir des aiguilles. Hein. Ah ouais. Attention, il y a un trou au sol. Ok, tu m'as fait peur, quoi. Il y a un homme de canette. Là, on est dans la chauffourie, à mon avis. Il faut qu'on trouve le moyen de rentrer. Tu t'es cogné? Oui, j'ai douté que j'allais la prendre. J'ai vu à l'aller et au retour je me suis fait. C'est vraiment un désavantage d'être grand. Hein bah, en fait, c'est qu'il est très grand. Moi, je suis moi. Avec les chaussures, je suis à 1m98, 98,5. Putain, mais parce que du coup, j'en profite pour changer la batterie tant qu'on est là. Putain, c'est pas une si mauvaise idée ça. Comment ça va? C'est pas une si mauvaise idée ça. On va faire le changement de batterie. Si on se fait une bonne prière, s'il y a quelqu'un ou quoi que ce soit, je vais être sûr que ça filme. Donc je vais filmer plus souvent et j'ai 6 batteries. Mais pas 6 mais. Il y a Hollande avec nous. Hein? Il y a Hollande avec nous. Il y a Hollande? François Hollande? Punaise! J'espère qu'ils sont chargés mes batteries. On entend bien un bruit, toi? Les deux, elle te répondit pas. Ils ont mis des parpaings, là. Tout ça c'était condamné, et ils ont fait une ouverture dans les parpaings, et après t'as l'escalier qui monte là dans le bâtiment. Par contre juste on a prévenu quelqu'un qu'on était là. Parce que autant l'autre zone j'ai prévenu Anaïs qu'on y était. Moi j'ai prévenu que j'étais là-bas, mais pas ici. Bon, vous voyez les DD. Encore des tags. Premier étage. Où ça sert à cramer ici. En fait, on est tranquille aujourd'hui. Les gilets jaunes ils sont dans le centre-ville de Toulouse avec les flics. Ouais. On risque pas d'avoir des flics. Yo. Après, ça, à mon avis, c'est la salle, la première salle. C'est les escaliers, je les prendrai pas. C'est les escaliers, ça? Ah ouais? Thomas, viens-moi avec les escaliers. Hey, il faut pas monter sur ce. Bah, quoi. T'as encore peur. Thank you.
Ah mais c'est quand même un tapis rouge, hein. C'est la suite présidentielle, hein. C'est un bien, le bruit de l'eau qui coule et tout, c'est bien. Notre qui marche sur des plastiques pour nous faire peur. Mais c'est des barres. Ouais. C'est bien de tomber sur les cuisines. Parce que moi j'ai peur que tout le bâtiment ça soit exactement comme ça. Je pense que c'est pas. C'est pas changé, il n'y avait pas de. Attention. Les accès pour se détonner avec les ouvertes. Je pense que c'est bon, les exploiteurs. Attention, les exploiteurs ils sont peut-être là. Hein. Encore un étage. Hein. En général, ils cherchent à s'isoler justement pour pas que les mecs qui viennent dans le bâtiment. Là, ça devient vraiment gros. J'aime pas ça, en fait. Au pire, on ira là où tu voulais aller au départ. Toi. Ah, ben c'est là, où, là où on est, là où il y avait l'escalier bizarre. Ouais, mais t'en prends trop alors. Pourquoi? Mais ça va pas s'écrouler, hein. Alors, à noter qu'il y a beaucoup de décès depuis. Tu fais quasi 5 kilos? Ouais. Et je fais 96, moi. On fait deux poids. Ah, tu vois voilà. Moi, je suis tossé un peu, c'est propre. De bien condamné, il a fait. Capitaine Américain, ça. Ouais. Sauf que le mec, il a fait, ça avait pas dessiné, mais il a fait. Il avait pas de rouge. Mais en fait, il a pas appelé Capitaine Américain, il a appelé Capitaine Mignon. Et... C'est marqué là. Tu t'es trompé, c'est Capitaine Mignon. Eh ouais. La pub pour toi, mon ami. C'est pour ça que là-bas. Ouais. Merci. Il y a tout incendie là, tout est brûlé. Dites-moi les abonnés, qu'est-ce que ça veut dire AZF? Ça veut dire beaucoup de choses pour les Toulousains. Dites-moi le dans les commentaires. Mon caméscope il capte des visages. Ouais. Il a capté celui-là ou celui-là, je sais pas. Putain, je croyais que c'était un matelas. Une escalier secrète, t'as vu? On peut aller là après. Non, mais de toute façon, il y a presque plus de plancher en haut. Ah, les fougères, comme elles sont belles. On a un mousse derrière.
Bon, voilà les Dédés, la vidéo. Oh, putain, je baille là. On me voit la gueule ouverte. Tu verras. Dans le zapping. Je savais pas que tu filmais. Mais tu vois pas le rouge? C'est la même couleur. J'étais. Tu rentres? Oui, oui, ouais, c'est parce bon. Que... Bon, voilà les Dédés, la vidéo est terminée. Voilà, c'est une vidéo que je fais pas d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre dans les petits commentaires, de me faire des petits bisous à mes copains aussi. Hein. D'aller voir la vidéo chez eux aussi parce que c'est pas mal. Et je vous dis à très bientôt les Dédés. C'est pas quoi dire. Oh, 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 Dédé Frelon.